Bienvenue dans la vie de Dovatia. Inséparable compagnon de route de Kamel Ouali, c'est à ce producteur surdoué que l'on doit le succès des comédies musicales, les 10 commandements et autant en emporte le vent. Dovatia, désormais connu pour tenir le rôle du méchant qui descend tout le monde dans le jury de la Nouvelle Star. Incroyable d'avoir... c'est terrible ces pollens. Ceux qui sont sur le premier plan, c'est vous, je crois, au maquillage. Cet ancien de Polytechnique, ex-grand pompe de TF1, nous convie dans les coulisses de son nouveau défi, le Roi Soleil. Être à la hauteur, sans jamais en descendre. C'est toujours pareil, quand on fait une soirée costumée, il y en a toujours qui font aucun effort. Mais ils auront tout le temps d'aller porter leur costume qui pique au Palais des Sports dès septembre prochain. Résumé des épisodes précédents. Avec Dove, nous nous sommes invités dans les coulisses des studios, tous les secrets de fabrication de l'album. Vous avez également assisté au conflit entre Dove, producteur, et Kamel Ouali, metteur en scène. Combien de danseurs en tout ? 22 professionnels et 12 amateurs. Le matin, il se lève, il boit de l'alcool, du champagne. Kamel. Parfois, Kamel et moi, on va s'envoyer chier, on va pas se parler pendant 3 jours, à cause de ça. Il va dire, oh, je peux pas, c'est impossible. Dove a une obsession, trouver le 7e et dernier membre de sa troupe. J'ai 7 personnages, pour l'instant, la troupe, il y en a que 6. Et j'ai préféré faire toute la première partie de la promotion avec une personne qui manque plutôt que de prendre quelqu'un trop vite et me planter. Nous avons également assisté à quelques faux pas de cette troupe de débutants. Qui c'est bon ? C'est planté dans le... playback ? Oh, non, des conneries, on a des... Christophe qui a l'impression d'avoir raté sa prestation, il est effondré, quoi. Nous avons suivi le casting de la dernière chance, Dove, au bout du rouleau. Allez mon gars, courage. J'ai 9 jours pour trouver quelqu'un. Et 9 jours, ça fait très court. Dove a cru tenir le bon bout avec cette jeune fille. Je crois que le meilleur moyen de faire connaissance, c'est que tu me chantes un truc a cappella d'abord. Les histoires. Une voix en or, mais c'était pas encore ça. N'arrive qu'au cinéma, on devient économe. C'est un enfant, cette fille. C'est, tu vois, elle est à l'opposé du rôle, quoi. Ce serait fou, quoi. Ce serait de la folie de la prendre, quoi. Enfin, nous avons suivi la genèse d'un projet fou de Dove, l'un de ses plus beaux. Les Hors-la-Loi, une comédie musicale avec des artistes handicapés. Et faire ce spectacle, ça, rien que les castings que j'ai faits, ça m'a mis une claque, mais une grosse claque, quoi. Ça te ramène à la réalité, ça relativise les choses. Tu te dis, putain, il n'y a rien d'important, en fait. Ça, c'est des conneries. Il y a déjà la santé. Ce qu'il y a de plus important. Les hors-la-loi, des artistes hors normes, l'émotion à fleur de peau. Je vais me faire chialer pour les répètes. Ouais, mais attends. Arrête pas.